En fait, le projet, c'était un projet de changement de vie et je voulais absolument ouvrir un bar à vin avec un concept où les parents pouvaient venir avec les enfants. Donc, on a toute une salle de jeu et où on pouvait venir découvrir des bouquins parce que j'aime bien la littérature. J'habite Aiguille depuis 15 ans et je trouvais qu'il manquait ce petit lieu justement convivial où on pouvait se réunir pour boire un café entre copains et même avec les enfants, ce qui est de moins en moins facile quand on va dans les grandes villes. Les gens heureux, c'est un endroit qui manquait à Aiguille. C'est un endroit bon, beau, simple, festif et chaleureux. Des individus ont des initiatives pour permettre effectivement de revitaliser, de recréer des liens sociaux dans des centres de ville ou centres de village. Et je trouve que des commerces qui résistent et des commerces avec un concept sympathique comme ça, ça doit être récompensé. Car que de plus pour un maire que de voir que les gens sont heureux chez eux.